de chacun d'entre vous rapide sur l'un de vos alliés. Il s'appelle Jean-Christophe Lagarde, UDI. Il a affirmé que si Charles Pasqua était encore vivant, il mettrait une balle dans la tête d'Éric Zemmour. Salut Bertrand. Il est tout de suite revenu sur ses propos. Oui. Ses propos n'ont rien à voir dans le débat politique. Il n'avait pas sa place. Et Jean-Christophe Lagarde, aussitôt, s'en est excusé. Michel Barnier. C'est excusable ? Pardon ? C'est excusable ? Lui-même est revenu dessus. C'est excusable ? Voilà. Je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. La violence des propos, quand la même, violence elle, des propos. Elle interpelle. On a une société très, très tellement violente que c'est vrai. Oui, les responsables politiques doivent aussi très clairement donner l'exemple et ne pas se laisser aller à une quelconque surenchère. Okay. Ce propos est insensé, irresponsable. Jean-Christophe Lagarde s'en est excusé, mais ça participe aussi du... On vient de le dire, je suis d'accord avec ça, il faut que nous donnions l'exemple. Il y a beaucoup d'agressivité, il y a de la sauvagerie, il y a du racisme. Il y a de l'antisémitisme. Hier encore, je me permets de le dire en passant, puisque j'ai l'occasion de le dire, Victor Bonin, qui est en charge des jeunes qui me soutiennent, comme d'autres jeunes responsables des réseaux de jeunes qui soutiennent tous mes amis ici, ont été l'objet de tweets absolument ignobles. Ignobles, qui sont des tweets et des montages antisémites, racistes. Il y a une sauvagerie, il y a une violence, il y a une agressivité dans ce pays qu'il faut combattre et nous la combattrons. Éric Ciotti. Moi, ce qui s'est passé, les propos de Lagarde sont une ignominie. Et je m'étonne qu'à cette heure, le parquet de Paris ne soit pas déjà saisi de ces faits. Le parquet national financier, il y a 5 ans, s'était saisi en quelques heures d'un problème d'emploi de collaborateurs parlementaires. Et là, c'est un appel au meurtre. On appelle à prononcer une fatwa, une balle dans la tête contre quelqu'un qui est un journaliste. On pense ce qu'on veut d'Éric Zemmour. Mais je dis que c'est extrêmement choquant. Et je m'étonne de l'absence de réaction. Est-ce que le président de la République a parlé? Est-ce qu'un ministre a parlé? Est-ce que des parlementaires ont parlé? Pourquoi? Parce que c'est Éric Zemmour et qu'on n'est pas d'accord avec lui? On peut l'assassiner? C'est un appel au meurtre. On vous sent en colère? Oui, je suis en colère. Je suis en colère par la violence du propos, mais je suis aussi en colère... Pas. Par l'absence, non, je ne l'excuse pas, c'est inexcusable et il doit y avoir des poursuites judiciaires. Parce que ce n'est pas parce qu'on s'excuse qu'on ne doit pas être poursuivi. On a poursuivi des gens pour des faits beaucoup, beaucoup moins graves. C'est un appel au meurtre et parce que c'est Zemmour, eh bien, on devrait banaliser le sujet. Je ne l'accepte pas. Rapidement, Valérie Pécresse, Philippe Juvin. Vous savez que mes relations avec Éric Zemmour ne sont pas au beau fixe parce qu'il n'a pas une très grande opinion des femmes et que sur un certain nombre de sujets, nous sommes en désaccord. Mais j'ai toujours condamné toutes les menaces dont il a fait l'objet. Parce que je considère que nous sommes un pays de liberté d'expression. Et moi, il n'y a rien que je chérisse plus que la liberté de dire ce qu'on pense, même si c'est le contraire de ce que je pense. Philippe Juvin. Jean-Christophe Lagarde s'est excusé dans les minutes qui ont suivi. Immédiatement. Après la polémique. Absolument, vous avez raison. Oui. Absolument. Et ça ne retire rien à la gravité des choses. Ça ne retire rien à la gravité des choses. À la gravité des choses. Non, mais c'est excusé. Simplement qu'il s'est excusé immédiatement. Excusé. Bah, moi, je n'excuse pas.